Dans cette vidéo sur la numérologie créative, je vous présente la signification des nombres de 1 à 9 dans leur potentiel positif, chacun ayant sa nature propre. Commençons par le 1. Le 1 concerne notre lien au masculin. C'est l'énergie de l'action, du juste positionnement, mais aussi de l'audace et de la volonté. Autrement dit, j'ose. Le 2 concerne notre lien au féminin. C'est l'énergie de la sensibilité, de l'intuition, du conseil, du partage, du partenariat, du couple. En d'autres mots, le 2 dit « j'accueille ». Le 3 concerne notre lien à l'enfant. C'est l'énergie de la créativité, de la spontanéité, de l'information, des réseaux. Le 3 dit « je communique ». Le 4 concerne notre lien à la sécurité. C'est l'énergie de l'artisan qui travaille laborieusement, méthodiquement, pour construire un patrimoine et sa sécurité. Le 4 est le chiffre de celui qui pérennise. Il dit « je construis ». Le 5 concerne notre lien au nouveau. C'est l'énergie de l'aventurier qui expérimente pour évoluer avec plaisir et liberté. Le 5 est le chiffre de celui qui dit « j'expérimente ». Le 6 concerne notre lien à l'amour et à l'engagement. C'est l'énergie de l'artiste qui crée l'harmonie et l'équilibre dans son environnement en intégrant le sens du beau. Le 6 fait des choix de cœur. Il dit « je m'engage ». Le 7 concerne notre lien à la connaissance et au sacré. C'est l'énergie de l'enseignant, du chercheur comme du mystique qui cherche à donner du sens, à le transmettre. Le 7 est celui qui discerne. Le 8 concerne notre lien au pouvoir. C'est l'énergie du bâtisseur, de l'industriel, qui transforme une idée en une réalisation d'envergure, apportant le progrès à chacun. Le 8 réalise. Le 9 concerne notre lien au monde. C'est l'énergie de l'œuvre à accomplir qui apporte l'évolution, l'innovation à la communauté pour son bien-être. Le 9 contribue. Voilà en quelques mots un aperçu de la dynamique des nombres.